voilà, écoutez, je prends mon rythme petit à petit. Et en fait, c'était l'alarme incendie qui se déclenchait. Love from Tampa, Africa, everywhere. Bye. We couldn't find our friends, so we went to a different park. We might never see the light of day again. I don't know. It's pretty good. It's a 4 stars. 4 stars. Okay. Nothing's ever perfect. I'm from South Korea. I'm a USF student, exchange student. This is Maxine, my dog. What? Way back a year ago. Happy my lord, I'm about to consume this burger. Fish. What? What did you say? You like the boring fish. No. You're still recording? Yeah. This music, oh my god! So good, so good. Please, play this on my wedding and funeral. Very good, not gonna lie. What is it? It's a salty caramel on top, and then cookies and cream on the bottom, with a waffle cone, freshly made. It's pretty good. Yours is coming up. Yep. commence à prendre le rythme. Je me découvre une petite passion pour le ping-pong. Donc voilà, c'est cool parce que du coup tous les soirs j'ai toujours mon petit groupe avec qui je joue, donc c'est sympathique. Et également la pluie, les orages, tout ça commence un petit peu à cesser. Du coup c'est grave cool parce que il fait beaucoup moins humide, et il y a tout le temps du soleil, enfin bref, c'est beaucoup plus agréable qu'il y a quelques semaines. C'est tout, pas de grosses nouvelles ou quoi, tant mieux. Mais voilà, comme c'est ma dernière année de licence, du coup il faut que je me renseigne pour faire un master. Enfin, dans l'idéal ça serait faire un master. Après où, de quoi, tout ça, il faut se renseigner. Et puis voilà, mais j'aimerais beaucoup le faire à l'étranger parce que je sais que c'est le... Ça fait seulement un mois et c'est le meilleur moyen pour grandir, mûrir et apprendre à se connaître soi-même. Donc voilà, pourquoi pas, faut voir, c'est juste une idée comme ça. Mais sinon rien de nouveau, rien de nouveau. Je viens de finir ma session ping-pong tous les soirs. Ça fait un peu longtemps que je vous ai pas parlé, hein. On est le jeudi 30 septembre et il est 17h30. Depuis quelques jours ça va pas de fou, je vais pas vous le cacher. C'est pas la grande forme, c'est... on fait partie du... Il y a des hauts, des bas, bah là on est dans les bas. Mais ça fait partie de la chose, comme je répète à chaque fois. Et il faut l'accepter. Et du coup aujourd'hui, enfin depuis ces derniers jours, j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup travaillé. Parce que j'ai beaucoup de devoirs et des examens de semi-semestre qui arrivent dans quelques semaines. Et voilà, j'ai essayé de reprendre les bonnes habitudes alimentaires aussi. Je dis ça alors que juste devant moi, j'ai des bretzels, des M&M's, des cookies, du Nutella. Voilà, mais bon... Donc voilà. Bref, sinon... Bon voilà, on est un peu sur des débats en ce moment. Au niveau social, c'est pas ça non plus. C'est pas ça du tout même. Parce que... Je passe mes journées seule comme au début et ça ne sera pas les dernières, enfin voilà quoi, faut s'y habituer, mais j'ai encore du mal à comment on dit ça, apprécier ma propre compagnie, parce que j'ai eu un moment au début ici où je voulais juste repartir et c'est tout. J'ai commencé à faire la connaissance des gens et tout, sortie après sortie, normalement. Pendant 3 bonnes semaines, je suis sortie, j'ai fait plein de trucs et tout. Et là, ça commence à redescendre parce que on avance dans l'année, les premiers projets scolaires sont là, donc les gens ont moins le temps. Puis les gens se sont fait des vrais potes, entre guillemets, dans le sens où moi, je suis assez temporaire. je suis étrangère, je n'ai pas forcément les codes culturels et tout, donc il y a un certain décalage entre les gens que je côtoie et moi-même. Ma coloc, elle m'a passé ça, elle m'a dit que c'était nos voisins de chambre d'en face qui lui avaient donné pour nous. Quand j'ai vu ça, moi j'ai pas compris, mais en fait, voilà, ils nous ont mis un petit mot pour parler d'eux, pour se présenter. Et du coup, ils nous ont passé une autre feuille pour faire la même chose. Alors j'ai sorti mes plus grands talents et je leur ai dessiné un panda. J'ai 19 ans et je dépasse encore. C'est inadmissible. Mais du coup, voilà, on a fait la même chose. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon, genre. Bonsoir, nous sommes le 4 octobre, il est actuellement 13h41 et j'ai simplement travaillé ce matin, voilà, parce que nous sommes également là pour les études. J'ai pas mal de choses à faire, c'est conséquent, on sent que la moitié du semestre arrive et que les examens aussi, mais bon, c'est bien, j'ai un petit rythme. Aujourd'hui je suis un peu motivée, donc ça fait plaisir. De prendre plaisir à étudier parce que c'est pas souvent, mais voilà, un nouveau. Il y a ce matin, enfin ce matin pour moi en France, fin d'après-midi, Instagram, Facebook et WhatsApp ont bugué, une panne mondiale, donc je ne peux pas appeler ma famille, donc je travaille. Voilà, c'était inattendu, hein, c'est le but d'une panne, mais voilà, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que bah, s'il n'y a pas les réseaux, on n'a pas de communication, c'est-à-dire que j'ai dû communiquer par mail à mes parents pour leur expliquer la situation. Et voilà. Salut, on est le mercredi 6 octobre, il est midi 28, il ne fait pas très beau, ça faisait longtemps, ça faisait 10 jours qu'il faisait extrêmement beau, donc évidemment ça n'allait pas durer, mais ça va, il n'y a pas non plus de l'orage ou quoi. La dernière fois que je vous ai laissé, il me semble, j'étais pas très bien, j'avais le moral un peu à zéro, plot twist, ça va mieux, mais c'est pas fou, mais je ne vais pas faire ma drama queen, donc ça va mieux. J'ai beaucoup de devoirs pour m'occuper parce que les examens de semi-semestre arrivent à partir de la semaine prochaine pendant à peu près 2-3 semaines. C'est assez étalé, même si j'ai que 5 matières, c'est étalé, bref. Du coup, ben, j'ai pas mal de choses à faire, donc ça m'occupe. Mais je vous avoue que ça commence un peu à me peser de ne pas avoir... C'est pas que j'ai pas d'amis, hein, je ne vais pas mentir, j'ai quand même quelques amis sur qui compter, mais ça reste difficile d'établir un lien pas quotidien, parce qu'on n'est pas obligé de se parler tous les jours, mais c'est vrai que quand tu proposes à plusieurs personnes d'aller manger et que chacune d'entre elles, elle te trouve, pas une excuse, hein, parce que ça se trouve c'est vrai, mais bref, elle te trouve une raison de ne pas venir avec toi, ça fait mal, mais bah c'est comme ça. Écoutez, j'en ai discuté avec quelques personnes qui étaient déjà parties en mobilité aux États-Unis, et la plupart du temps elles ont rarement des amis américains, c'est souvent des amis internationaux qui sont dans le même cas qu'elles. Du coup, ben voilà, c'est un peu mon cas dans le sens où il y a un étudiant international de France qui vient de France, c'est logique, Leslie, et 3 autres qui viennent de Corée, donc on s'entend super bien, c'est cool, et voilà, mais c'est vrai que niveau social, au stade américain, entre guillemets, c'est difficile, mais sinon rien de fou. Ça fait plusieurs jours que je passe mon nez dans les livres et dans les leçons.